Vous regardez On refait le Mac à IA CRLM. Très heureux de vous retrouver pour ce live à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech. Vous n'allez rien rater des annonces d'Apple que nous commenterons en direct dans quelques minutes. Et voilà Tim Cook qui revient sur la scène du Steve Jobs Theater. On va parler de l'Apple Watch. Le cœur bat très fort, comme vous pouvez l'entendre. Hein. C'est pas un hasard, croyez-moi. Il semblerait que l'écran soit un peu plus grand. Étanche. Oui, sans surprise. Elle est dorée, les bords seraient légèrement affinés. Le fameux liseré dont tu parlais. Voilà, de nouveaux capteurs en dessous, de nouveaux cadrans. On vient de voir l'UV. On retrouve l'écran qu'on a vu, qui est la photo qui avait leaké. Ouais. Et voici, mesdames et messieurs, la nouvelle Apple Watch Series 4. On parle du rythme cardiaque, ouais. Alex, c'est ça, et d'un nouveau capteur. Ouais, il y a un électrocardiogramme et c'est un capteur physique dans la montre. C'est le premier appareil grand public qui vend un électrocardiogramme, du coup, que tout le monde pourra se procurer. Le bracelet, ah, voilà, ça existe toujours. Ouais. 399. Bon. 399 $, donc on reste dans les eaux de l'Apple Watch Series 3. On va voir si les anciennes générations vont rester au catalogue. Alors, il faut savoir que jusqu'à présent, toujours. C'était ça. Tiens. Voilà, on voit la série 3 à 279. Donc elle baisse. Et là, maintenant, on passe bien sûr à l'iPhone. Petite vidéo à l'iPhone. Plus à l'aise, hein. Plus contracté. Regardez, ça nous rappelle quelque chose, les images de 9to5, avec raison. Gold is best, pas tous en même temps, messieurs. Dame, gold is best. Deux iPhones. J'aime bien Portishead, la chanson. Du 3D Touch. Du 3D Touch. Deux formats d'écran. iPhone 10S, donc le nom est confirmé, année de transition, année sur deux, le S pour super iPhone 10. Alors le nom iPhone S, Max. iPhone 10S Max est confirmé. L'écran est à 120 Hz, donc on est sur un écran comme l'iPad Pro, le nouvel iPad Pro, donc ce qui montre quand même une qualité. On va voir une vraie différence, et 3D Touch est resté. Cet iPhone 10S Le 3D Touch est toujours effectivement. Et 3D Touch est toujours là, c'est 5000 milliards. Ouais. 5000 milliards d'opérations par seconde au niveau de performance jamais atteint par un téléphone. Et confirme les 512 gigas en stockage. Je suis très inquiet sur le prix. L'iPhone, c'est l'appareil photo le plus populaire au monde. D'accord, en termes de cliché prix, bien sûr. World most popular camera, bien sûr. Que dit-on des specs? 12 mégapixels, toujours deux capteurs, bien sûr. Elle serait plus longue, l'autonomie, que les modèles précédents, que l'iPhone 10 notamment. Ce serait jusqu'à entre 30 minutes et 90 minutes de plus. Voilà, 90 dual minutes SIM. Pour et le nous XS sommes à la Max. SIM. La dual SIM. Confirmé, on est d'accord? Oui, ça vient d'être écrit en gros. Voilà, c'est en gros. Oui. En gros. Ah, bon, on parlait de ça tout à l'heure dans la pré-keynote. Donc là, la deuxième SIM est une SIM qu'on peut charger d'un pays à l'autre. Ah, et on a un truc qui vient d'apparaître, dual SIM in China. Dual SIM in China, dual SIM physique. Donc un modèle spécifique pour, voilà, pour la Chine. On est au marché chinois. Et qui... Donc qui part en Chine prochainement, qui peut nous ramener un modèle double SIM. Deuxième annonce ce soir ou c'est une publicité pour le 10S? Voilà. Deuxième annonce matérielle ce soir. Donc pour l'instant on a vu le 10. Un capteur qui déborde. S et un seul capteur. C'est blanc. Il déborde bien d'ailleurs. C'est noir. C'est net comme... C'est blanc et noir, c'est un seul capteur. Ça sent plus grand, il y a du rouge, il y a de l'orange, il y a du bleu. Le 9. Il y a du doré cuivré. 10R. Alors, est-ce que ça va être ce fameux 10R cher à Peugeot? Voilà, un seul capteur. Voici l'iPhone. L'iPhone. On a du quoi? Du jaune, 10. Du bleu. Non, on n'a pas le nom. Il joue le suspense. C'est bien. Monsieur X, il va falloir faire travailler les gens du marketing chez Apple. C'est bien l'iPhone XR avec un, vous voyez sur la face avant, un écran bord à bord avec un capteur TrueDepth Face ID et du LCD, pas d'OLED sur ce modèle-là. Ils appellent ça le. Oh, Cédric, c'est pour toi, ça. C'est un nouveau terme générique. Ça, c'est un marketing. Liquide Retina, on te file la main et tu commandes, Cédric. Allez, tu te débrouilles. C'est quoi le liquide Retina? 6,1 pouces. Ouais, Retina. Je ne sais pas vous aider sur le liquide Retina. Pourquoi est-ce que qu'est-ce que ça veut dire, liquide Retina? Bon courage. 1792 par 828. On se refait. Histoire de Retina, c'est la densité des pixels sur l'écran, pourquoi ce reste liquide? On parle de la caméra au dos, 12 millions de pixels, une seule optique. Hein. Donc là, Apple se différencie nettement de la concurrence et nettement, bien sûr,
des iPhone 10, voire des iPhone 7 Plus et 8 Plus. Et on disait tout à l'heure qu'on pensait qu'il allait avoir un processeur, on va dire, au rabais, avec des guillemets, autrement dit, de la génération d'avant. On a parlé du processeur. Eh bien, oui, juste avant, c'était un A12 Bionic. Un A12 Bionic. Donc, c'est le processeur de l'an passé. Donc, c'est le même. Non, c'est le même. C'est le même. Ah, d'accord. Donc, tout le monde a vu faux. C'est le même. Ouais. D'accord, autant pour moi. Attention, 1h30 en plus que l'iPhone 8 Plus. Magnifique. Ça semble beaucoup. Trois modèles disponibles, 64Go pour le 10R, 128Go et 256Go. Pas de 512. Le XR est en 128, d'accord. Ouais. Il n'est pas disponible en 512. Non. Tant mieux. Et il est disponible en 64, ce qui n'est pas le cas du 10S. Donc, vous avez une capacité inférieure. $749. Il est bien en retard. Il est bien en retard. Ça, c'est la surprise confirmée, dirons-nous, de la soirée. On avait pensé pas aussi... Voilà, 26 octobre pour la disponibilité, un mois de retard pour l'iPhone 10, comparable à l'iPhone 10R. Comparable, $999, c'est le prix officiel. Et vous aurez noté qu'il n'y a pas de 128. Il n'y a pas de 128. Il n'y a plus de 128 gigas. Il n'y a plus de 128 pour le 10S Max et le 10S à $1099 pour le Max. Donc la rumeur avait aussi raison. Ils se font applaudir pour quand c'est cher, tu te rends compte? C'est un public trié sur le volet, cher Stéphane Zibi. Disponible le 14 septembre pour la comme prévu. Pour la précommande, disponible le 21 septembre. Donc la surprise, la France, la déception de la soirée. Il est bien disponible en France, oui. C'est le retard de l'iPhone 10R qui ne sera disponible qu'au mois d'octobre. L'iPhone 10S, donc $999 avec 64 gigas de mémoire minimum. L'iPhone 10S, donc coûte $100 de plus à $1099. Et on voit que le 7 et le 8 restent au catalogue. Et le 7 et le 8 restent au catalogue à un prix plus agressif tout de même. Il y a une forte baisse de prix pour l'iPhone 7 et l'iPhone 8. 450, ils vont en vendre. L'iPhone 8 baisse de $400. C'est un très bon produit. L'iPhone 7, effectivement, clairement, est un très bon produit. Non, de $300, l'iPhone 8. Donc, l'iPhone SE disparaît et est remplacé par l'iPhone 7. Donc, on continue à garder des téléphones avec des écrans, avec des bords et surtout Touch ID. L'iPhone XR sera à partir de €859. L'iPhone XS sera à partir de 1159 et le 10S Max à partir de 1259. Waouh! Peur 1150. Ça fait mal. Ça va faire mal. Ça pique un peu. Donc le prix ne baisse pas. Non. Sur l'iPhone. Non. Alors, en fait, comment tu peux m'expliquer que le prix baisse aux États-Unis de $100 et que le prix ne baisse pas en France, Cédric? Et la TVA. Ouais, non, bah non. La TVA reste la même. Le dollar Apple, je ne peux pas t'aider. Qu'Apple m'explique pourquoi il baisse de $100 aux États-Unis et qu'il ne baisse pas de $100 et au moins de €100 en France. Quoi. Donc Tim Cook est parti à remercier les équipes, comme d'habitude, d'Apple qui ont fait énormément de travail et invite les journalistes qui ont la chance d'être là-bas d'aller le tester, de le prendre en main. On aura l'occasion de vous le présenter plus en détail dans quelques jours lorsqu'il sera disponible. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission où nous reviendrons à froid sur les annonces de ce soir. Soyez au rendez-vous et à très vite, j'espère. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit pouce. Et n'oubliez pas, bien sûr, de cliquer également sur le bouton pour vous abonner. Allez, à la semaine prochaine et encore merci pour votre fidélité. À bientôt. Au revoir.